Occupez-vous-en et tenez-moi au courant. À vos ordres, monsieur. Je vais m'y mettre immédiatement. Oh, tu peux descendre ta motocyclette. J'y jetterai un œil dès qu'on aura fini de déjeuner. D'accord. Je sais bien que tu n'y es pour rien, mais les vraies motos ont nettement plus de puissance que ton engin. Dis-moi, tu n'aurais pas envie qu'on discute un tout petit peu, par hasard? Parce que ta bécane, c'est de l'histoire ancienne. Je suis contente de te voir, Tanguy. J'ai une dette envers toi, maintenant. Oh, laisse tomber. Tu as eu de la chance que je sois dans le coin au bon moment, c'est tout. Oui, mais tu m'as bien aidé. Beau travail, les enfants. Mais où est donc passée, Olivia? Oh, elle est juste derrière... Mais... Oh là là, parfois elle m'agace un peu. Je parle de Laura. Elle est toujours à dire « C'est vrai que tu n'as pas eu le choix, mais tu crois qu'elle se justifie réellement ?» Elle fait allusion à ma motocyclette qui est pourtant nettement plus maniable que les grosses motos des autres. C'est vrai qu'elle est peut-être moins puissante, mais elle compense largement ses faiblesses par sa maniabilité, justement. Et dans une course en ville, je ne suis pas sûre de perdre. À t'entendre, on pourrait penser que tu es un peu jalouse du motard blanc. Quoi ? Oh mais je savais pas que t'avais été adoptée par le temple, toi. Oui, vous avez raison, grand prêtre. Je suis peut-être un peu jalouse. Mais ce qui m'énerve, c'est d'entendre sans arrêt Laura dire que ce n'est pas ma faute, que je n'y peux rien. J'ai horreur qu'on me prenne en pitié. La pitié conduit tout droit au défaitisme. Je vous remercie mille fois pour ce thé, grand prêtre. Et surtout, ne parlez à personne du fait que je viens me plaindre ici. Personne n'en saura rien. Ah, vous voilà. Je me demandais où vous étiez passé. Capitaine. Tiens, ça faisait longtemps, tu n'as pas beaucoup changé. Allez, viens t'asseoir. Je vais te chercher une tasse pour le thé. Ah, vous connaissez le grand prêtre? Ah oui, il a été mon mentor. Lui, votre mentor? Il a été policier, c'était un des plus anciens. Mais il se trouve que c'est aussi mon oncle. Hein? C'est votre oncle? Excusez-moi, capitaine. Oh, il n'y a personne. Oh, quel chantier. Je lui dis pourtant de me prévenir dès que ses invités sont partis pour que je puisse nettoyer. Oh. Une femme? Oh oui, c'est une femme. Devenir motard? Vous voulez que je devienne motard? Cela dit, si vous avez quelqu'un d'autre à me présenter, je le recevrai. Mais pour l'instant, vous me paraissez être la plus qualifiée. Ah, mais je suis d'accord. Je veux bien essayer, moi. Alors dans ce cas, je vais envoyer une recommandation pour vous au quartier général. Au quartier général? Mais oui, vous allez forcément être rattaché au quartier général. Comment ça? Mais alors je vais devoir être transféré, c'est ça? Je ne vous ai pas demandé de me donner une réponse immédiatement. Prenez donc un peu de temps pour y réfléchir. Que je prenne mon temps pour... Si vous me donnez votre réponse pour la fin de la semaine, ce sera parfait. Pour la fin de la semaine, c'est pas possible. Olivia? Oh, oui, c'est moi. Il y a 5 minutes que le déjeuner devrait être fini. Mais peu importe. Approche, viens jeter un coup d'œil. J'ai trafiqué un peu ta motocyclette et tu devrais le ressentir au niveau de la carburation. Ah oui, comment ça? Elle va être plus performante, donc tu vas y gagner en puissance. Je voulais te dire... Oui? Je te prie de m'excuser pour tous les trucs que je t'ai dit. C'était stupide de ma part et je ne le pensais même pas. C'est pour ça que tu as trafiqué ma bécane? Oui, je peux t'assurer que j'essaierai de te l'entretenir au mieux à chaque fois que je le pourrai. C'est pas vrai! Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Lisez bien notre panneau et venez nous voir jouer. Moi, je vais jouer le petit raton laveur. Et moi, je serai le vieillard. Et moi, la très vieille dame. Moi, le lapin. Et moi, la soupe. Je suis désolée, mais je ne suis pas libre ce jour-là. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Bon, allez. Bon, on verra ça demain. C'est pas vrai. J'ai envie de rien. J'ai l'impression d'avoir perdu l'appétit depuis quelque temps. Et ça s'arrange pas. Qu'est-ce que ça peut m'énerver? Ah, y a pas grand-chose à dire. L'important, c'est que tu aies essayé. Il vaut mieux avoir des regrets après avoir tenté de faire quelque chose sans y être parvenu que regretter de n'avoir rien fait. La chance, parfois, il faut savoir la provoquer. Et savoir la saisir et s'en servir quand elle est là. Oui, tu as raison. Tu voudrais que je lui parle pour toi? Non, je lui dirai moi-même. Si j'étais Laura, je préférerais qu'on soit direct et franc avec moi. Alors il faut que j'essaye de l'être. Tu vois, Olivia, j'étais sûre de ta réponse. Je te signale qu'elle aime aussi beaucoup qu'on lui dise directement ce qu'on éprouve pour elle, Tanguy. Non mais enfin, mais pourquoi est-ce que tu abordes ce genre de sujet? Parce que si jamais je suis transférée, je ne pourrai plus servir tes intérêts vis-à-vis d'elle. N'oublie pas ça. Je ne pourrai pas être ton porte-parole à distance. J'ai l'impression que tu t'en fiches. Tu sais que si tu ne fais rien, Olivia va partir. Je suis au courant de tout, figure-toi. Je sais très bien que tu as fait un rapport en sa faveur quand tu as su qu'elle devait être mutée dans notre commissariat. Je sais que tu es allée la récupérer le jour de son arrivée alors qu'elle allait très en retard et que ça risquait dès le début de mal se passer pour elle. J'ai réussi! Est-ce que tu vas m'écouter à la fin? Excuse-moi, Laura. Je pourrais te voir une minute. C'est pour toi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de départ. Oh. Tu vas aller habiter ailleurs, n'est-ce pas? Alors ce réveil sera parfait pour ne pas arriver en retard. Mais depuis combien de temps es-tu au courant? Depuis le jour où tu es allée déjeuner seule au temple pour discuter avec le grand prêtre. T'es pas sympa, t'aurais quand même pu me le dire. C'est vrai, tu as raison. Je parie même que ce radio réveil est fait pour m'électrocuter ou pour exploser. Debout, Olivia, c'est l'heure. Debout, Olivia, c'est l'heure. C'est un exemplaire unique qui n'est fait que pour toi. Et comme tu es une fan du capitaine, tu as même droit à sa voix. Qu'est-ce que tu en penses? Avec ça, tu vas pouvoir te réveiller à l'heure et en douceur avec cette voix suave. Mais ne le fasse pas, j'ai eu du mal à le faire. Moi, je ne suis pas aussi insensible que Laura, alors je préfère te dire ne pars pas. Je vais être malheureuse si tu t'en vas, ne pars pas. Voilà, calme-toi, je reviendrai vous voir. C'est pas grave. En tout cas, ma lettre de recommandation est prête. Il faut arriver à tenir l'équilibre sur la planche plus de 10 secondes. Olivia, tu peux arrêter maintenant? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça suffit. Si on ne t'arrête pas, tu vas rester là des heures. Ah oui! Une seconde. Quoi? J'ai quelque chose à te dire. Si les autres ont des difficultés à faire les exercices et à apprendre les nouvelles techniques, toi, en revanche, il faudrait que tu apprennes à te maîtriser, à contrôler tes pulsions. Est-ce que c'est compris? Mais... Il n'y a pas de mais ici. Tu dois répondre oui, monsieur. Tu piges? Oui, monsieur. Tu es naturellement douée, Olivia. Alors il ne faut pas te laisser impressionner par l'instructeur. Je ne sais pas pourquoi, mais je commence à perdre confiance en moi. Non, tu vas y arriver. Oui, peut-être. Oh, il faut qu'on y aille, Oli... Oh non, je veux dire... Anna. J'arrive. Ma pilule contre le mal de voiture avant de partir.
Tu crois qu'Olivia arrive à tenir le coup? Oui, j'en suis persuadée. Pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Tu penses vraiment qu'elle peut s'en sortir? Mais bien sûr, tu sais de quoi elle est capable. Et toi, de ton côté? Oh. Enfin, oui, je veux dire, est-ce que ça va? Toi, tu gardes la forme? Eh bien, disons que j'espère que je fais un aussi bon travail qu'elle. Laissez tomber, ça va, capitaine. J'essaie de tenir le coup. Voilà une façon de conduire. Si tu crois que tu vas m'échapper, toi. Il est malade! Arrête! Laura! Laura, arrête! Freine vite, je t'en supplie! Qu'est-ce qui se passe? Vous hésitez à entrer à nous voir? J'avoue que je me sens un peu gênée. C'est votre jour de repos? Oui. J'ai été nommée officiellement motard, alors je suis passée vous le dire et puis faire un petit coucou aux autres. Mais dites-moi, c'est formidable. Oui. Eh bien, entrez. Alors, comment ça va, Anna? Oh, je suis contente d'être... Oh, tu as l'air en forme. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'on aurait bien besoin de toi ici de temps en temps. La fille de la cafétéria dit que ses ventes n'arrêtent pas de chuter depuis que t'es partie. Où est Laura? Ah, sûrement dans le garage, non? Olivia... Qu'est-ce que tu fais là? Chut, comment va-t-elle? Quand je vois les dégâts, je me dis qu'on a eu beaucoup de chance. Ah oui? Cela dit, je persiste à croire que je réussis moins bien sans toi. Mais tout s'apprend. Dis donc, je pourrais peut-être revenir parmi vous. Quoi? Ben oui. Mais enfin, tu n'y penses pas, et puis ça ne te ressemble pas de laisser tomber une chose dont tu rêvais depuis des années. D'ailleurs, tu n'as pas le droit. Oui, tu as raison. D'autant plus que tu dois escorter les concurrents du marathon, ce qui est une mission valorisante. C'est formidable pour toi. N'exagérons rien, c'est qu'un demi-marathon. Tu n'as pas le droit de minimiser les choses et de te montrer aussi peu enthousiaste, alors que moi, j'essaie précisément de suivre le plus possible ton exemple. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette motocyclette? Je croyais pourtant que tu discutais avec Olivia. Je me suis dit que j'allais la ranger dans le garage. Comment ça, la ranger? Non, mais attends un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Olivia vient de me dire qu'elle avait l'intention de revenir ici. Revenir? Oui, c'est à cause de moi. Elle m'a sentie fragile et je sais que c'est à cause de moi qu'elle a envie de prendre une décision aussi stupide. Je suis sûr que c'est faux. Moi, je te dis que non. Je peux t'assurer qu'elle a vraiment la ferme intention de revenir parmi nous. Et si elle le fait, c'est parce que je n'ai pas eu la force de tenir le coup seule, d'arriver à travailler sans elle. Oh, calme-toi, Laura, calme-toi. Il ne faut surtout pas que tu mettes sa bécane au garage.
Comme vous le voyez, les concurrents du marathon emprunteront des chemins sur 21 km. Notre commissariat est responsable de la régulation du trafic de notre quartier, qui risque sûrement d'être saturé. Votre mission ne va pas être une partie de plaisir. Il faut vous y attendre. Allez, au travail. À vos ordres. Et bonne chance à tous. Départ dans 20 secondes. Enfin, on va y aller. C'est pas trop tôt. Toute cette attente, moi, ça me stresse. Moi, je suis allée aux toilettes avant. Alors, tout va bien. 10 secondes. Concurrent Arma. Désolée, mais cette portion de route restera fermée à la circulation jusqu'à 15 heures. Alors ça, c'est bizarre. On dirait que le réservoir est déjà vide. Oh ! Attention, Olivia, tu vas un peu trop vite. Mais non. Dépêche-toi, faut y aller. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Un incendie, dépêche-toi, il faut qu'on y aille. Avancez, bon sang! On peut pas reculer! Mais je peux pas non plus, moi! Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait, alors? On y est. Reste là et demande de l'aide par radio. Moi, je vais essayer de les faire circuler. Allons-y, on recule! Tout le monde recule et doucement! Allez, vite, il faut laisser le passage au secours! Qu'est-ce que tu dis? Je ne te reçois pas très bien. Comment ça, un camion en flammes? Calme-toi, Anna, et dis-moi où il se trouve. Oui, je vois, ça va, j'ai compris, j'y pense. Vous continuez à réguler la circulation et surtout vous évitez que les automobilistes ne paniquent. Bien reçu, terminé. Là, on va peut-être avoir un problème. Un incendie dans un moment pareil ? Bon, attends, je vais me renseigner auprès du quartier général. Laura, viens vite ! Viens par ici, dépêche-toi, allez ! Oh là là, si seulement Olivia était là, je suis sûre qu'elle aurait déjà... Ça suffit ! Mais enfin, je... Excuse-moi. Allez, il faut qu'on se dépêche. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Je reviens tout de suite, attends-moi. Non mais... Ah oui, d'accord. Peu importe les bosses et les éraflures, il faut agir vite. Bon, alors, personne n'est blessé? Et combien est-ce qu'il y a d'agents sur l'opération? Répondez-moi! Ah, j'ai été coupée. Essaie de garder ton calme. Hein? On escorte les coureurs, il faut qu'on ait l'air détendu. Ça te va, ce sourire? Anna! Alors, comment ça se passe? Enfin, tu es là. On ne peut pas éteindre le feu à cause des voitures qui en bloquent l'accès. On n'arrivera jamais à éteindre un incendie comme celui-ci avec nos extincteurs de moto. Retiens ta respiration! Ah! Faut battre en retraite pour l'instant. Ici le renard, j'appelle le chaton avec un beau sourire, répondez! Non mais attendez une seconde, comment est-ce que vous êtes au courant de tout ça, grand prêtre? Peu importe que je vous le dise, il n'y a pas de temps à perdre. Je vous ai expliqué ce qu'il en était. Le reste vous appartient, alors bonne chance. Qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée de te laisser. Quoi? Occupe-toi de la course, il faut que j'y aille. Olivia, où tu vas?
enfin, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai failli mourir. Maintenant qu'on s'est occupé des voitures, ça va faciliter l'intervention des secours et des pompiers surtout. C'est sympa ce que tu as fait, j'ai une dette envers toi. Non. Bien joué, Tanguy. Vous avez fait du bon travail. Les pompiers ne vont pas tarder à arriver pour éteindre l'incendie. Et comment se déroule le marathon? Aucun problème de ce côté-là. Oh, je suis rassurée. Mais puisque je vous dis que la route est bloquée, je ne peux pas aller plus loin, c'est tout. Désolé, mais je suis pas le seul dans ce cas-là, vous savez. Oh, Tanguy, regarde! Oh, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Mets ta ceinture de sécurité, Anna, vite! Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivera jamais à bloquer ce camion! Il faut qu'on fasse quelque chose! Olivia! Il faut absolument l'arrêter! Oui! Olivia, mais qu'est-ce que... Il est beaucoup trop lourd. On ne pourra pas l'arrêter. Olivia, faut que tu passes la marche arrière. Je veux bien, mais je sais pas comment on fait. Ne t'énerve pas, je vais t'expliquer. D'abord, tu tires sur le frein à main pour bloquer les roues arrière. Ça y est. Attrape le levier de vitesse, débraye et passe la marche arrière. Ensuite, tu embrayes et tu freines. À fond sur le frein. Oh, allez, arrête-toi. Voilà. Tiens, Lila, j'ai quelque chose à te rendre. Hein? Tu veux dire que tu démissionnes? Oui, je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas faite pour être en permanence sur une moto. Je te mets pourtant 10 sur 10. Ah, comment ça? Oui, tu as eu un sourire particulièrement étincelant. C'était vraiment le plus beau que j'ai jamais vu. Ta décision est prise? Absolument, souviens-toi de ce que tu m'as dit. La chance de faire ce qu'on aime n'arrive pas souvent dans la vie, alors il faut la saisir. Ah! Alors, on aurait une autre cascadeuse? Olivia est bien plus que ça. Ah! Ouais! La place à côté de vous est prise, mademoiselle? Eh ben alors, jamais tu réponds à une amie? Eh ben, Laura. Allez, viens. J'arrive.